Salut à tous, c'est Sylvain, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour nos rendez-vous hebdomadaires, les vidéos de pronos de fin de semaine sur RDJ. Et dans cette vidéo, nous allons parler de Ligue 2. Alors, vous le savez, hein, toutes les semaines sur la chaîne Ligue 1, Ligue 2, les Coupes d'Europe, des lives et maintenant des lives NBA. Donc, si vous ne voulez rien manquer, n'oubliez pas de vous abonner, vous activer la cloche et vous recevrez des notifications pour toutes nos nouvelles vidéos. Restez à l'écoute. Alors, pour parier sur la Ligue 2, je vous propose une belle opération avec Unibet, donc exclu RDJ bonus de 200 euros au lieu de 150. Vous inscrivez avec le lien qui est dans la description. Vous rentrez bien le code promo RDJ Gold et vous aurez donc un bonus de 200 euros au lieu de 150. On en reparle en fin de cette vidéo puisque je vous ai concocté un petit combi Ligue 2 plutôt sympa. Alors, bonus de 150, donc un tout petit peu moins de doublement de mise, mais on est quand même à 1,85, donc je vous le donne en fin de vidéo, restez à l'écoute. Alors, on part rapidement hein, sur les 10 matchs de cette journée. On commence avec la rencontre entre Auxerre et Pau. Alors, Auxerre qui est monté sur le podium en s'imposant à Valenciennes ce lundi 2 buts à 1. Pau est 8e. Alors, Auxerre, c'est 3 victoires et 1 nul sur les 4 dernières réceptions. Alors qu'en face, Pau a perdu les 2 derniers matchs à l'extérieur sans marquer de but. Donc, logiquement, on va donner une victoire à Auxerre pour une cote à 1,86. Sochaux-Nîmes. Alors, Sochaux qui reste sur 2 matchs nuls de suite contre Quevilly à la maison 1 partout et à Nancy 0-0. Des Lyonceaux qui n'ont donc pas réussi à profiter des points que Toulouse a pu perdre par-ci par-là ces dernières semaines pour prendre la tête de cette Ligue 2. Ils jouent contre Nîmes, une équipe de Nîmes qui n'avance plus du tout, aucune victoire sur les 9 dernières journées. 3 défaites de suite, c'était contre Ajaccio, Guingamp et Niort. Ça prend au moins 2 buts par match, donc ça va pas bien du tout. Victoire Sochaux également cotée à 1,86. Amiens-Caen. Alors, j'ai pas beaucoup de certitudes sur ce match. Et en général, quand j'ai pas beaucoup de certitudes, c'est qu'on a un bon spot pour le match nul du week-end, coté à 2,95. Alors, si on regarde un peu les stats, pour Amiens, on a 3 nuls lors des 5 dernières réceptions. Et globalement, Amiens est l'équipe de Ligue 2 qui fait le plus de matchs nuls cette saison, 7 en 14 journées. Il y en a 4 pour Caen, mais il y en a 3 lors des 4 derniers déplacements. Donc on a des équipes qui partagent souvent les points. Je reste sur le match nul, coté à 2,95. Ajaccio-Dijon. Donc là, je ne vais pas me poser beaucoup de questions. Ça fait 12 journées de suite que le moins de 2,5 buts passe dans les matchs d'Ajaccio. C'est bien assez significatif pour jouer sur la continuité de la série tant qu'elle se poursuit. D'autant plus que c'est passé 6 fois lors des 7 derniers matchs de Dijon. Moins de 2,5 buts, c'est coté à 1,41. PFC Rodez. Alors, match pas facile du tout à pronostiquer. On a le PFC qui, malgré une sale période sur septembre-octobre, n'a perdu qu'une seule fois à la maison. Donc une défaite en 6 matchs, mais on a quand même également 3 matchs nuls. Rodez finalement assez performant en déplacement, 3 victoires en 7 matchs, mais à relativiser un petit peu, puisqu'il y en a quand même 2 contre Amiens et Valenciennes qui sont 16 et 18e. J'ai envie de dire que c'est quand même différent face au PFC qui est censé être une équipe qui va jouer la montée en Ligue 1. Donc plutôt vers le PFC, mais je vais quand même assurer avec la double chance et ne pas être trop gourmand sur ce coup-là. Donc PFC ou nul, c'est une petite cote à 1,23, mais ça peut suffire. Le Havre-Valenciennes. Alors on a la belle série d'invincibilité du Havre qui a pris fin la semaine dernière, défaite à Dunkerque 1-0. Par contre, à la maison, on est sur 3 victoires de suite sans encaisser de but. C'était contre Quevilly, Dijon et Pau. Alors qu'en face, Valenciennes a perdu lors des 3 dernières journées, après 3 victoires de suite. Donc bizarre Ligue 2 où beaucoup d'équipes ont du mal à enchaîner les séries. Il y a des séries de victoires, ça enchaîne sur des séries de défaites. C'est le cas de Valenciennes.
Donc défaite contre Dunkerque, Amiens et Auxerre. En prenant 2 ou 3 buts à chaque fois, je vais sur le Havre, côté à 2-0-3. Grenoble-Dunkerque. Alors je suis assez indécis sur ce match-là. D'un côté, on a Grenoble solide à la maison. Alors ils ont perdu le dernier match contre Dijon, mais avant ça, on avait 4 victoires de suite. Et en face, on a Dunkerque qui est vraiment dans une belle série. 4 victoires et 1 nul sur les 5 dernières journées. Ils ont gagné les 2 derniers à l'extérieur. Pour moi, ça peut clairement basculer dans les deux sens. C'est pour ça que j'ai une double chance, mais une double chance où il n'y a pas de match nul. Donc Grenoble ou Dunkerque, c'est coté à 1,31. Niort-Nancy. Alors, on a une équipe de Niort solide à la maison. Ils ont perdu contre Rodez au dernier match 2-0. Mais avant ça, c'était 3 victoires. Et un match nul. Nancy toujours dernier mais qui va un peu mieux quand même. Une seule défaite sur les 5 dernières journées. 3 matchs nuls. Pour moi, Niort est au-dessus mais on a Nancy qui peut choper des nuls. Je vais naturellement aller vers la double chance en faveur de Niort. Donc Niort ou nul, c'est coté à 1,35. Guingamp-Bastia. Donc là aussi, on a une série assez significative. Bastia, 7 déplacements en Ligue 2, 6 défaites. Guingamp, c'est vraiment pas toujours très régulier, mais les Bretons semblent quand même avoir trouvé la bonne carburation à domicile. On a 2 victoires de suite contre Rodez 2 buts à 1 et Nîmes 3 buts à 1. Je prends la victoire de Guingamp qui est cotée à 2,28. Et on finit avec le match du leader Toulouse, donc qui va se déplacer à Quevilly. Alors normalement Toulouse c'est bien au-dessus de Quevilly. Cela dit, côté toulousain, on a une seule victoire sur les 5 dernières journées, 3 nuls, une défaite, donc Toulouse qui laisse un peu de points en route en ce moment, je l'ai déjà dit dans la vidéo. En face, Quevilly n'a pas gagné lors des 5 derniers matchs à la maison, 3 défaites et 2 nuls. Toulouse est largement favori. Mais vu qu'ils font des nuls en ce moment, on n'est pas à l'abri. Je préfère assurer avec un scénario avec une cote tout à fait correcte. Toulouse ou nul et plus de 1,5 but, qui passe très souvent, c'est coté à 1,49. Donc voilà, vous avez mes 10 analyses, un prono par match. Et comme je vous l'ai dit, je vous ai préparé un petit combiné à 1,85. Donc ce combiné, ce sera, bah, je vous l'ai dit, les séries qui me semblent significatives dans cette Ligue 2. Moins de 2,5 buts entre Ajaccio et Dijon, c'est coté à 1,41. Et Guingamp ou nul à la maison contre Bastia à 1,31, ça vous fait un combi à 1,85. Et comme je vous l'ai dit, vous pouvez profiter en exclu RDJ d'un bonus sur Unibet de 200 € au lieu de 150 €. Vous vous inscrivez avec le lien dans la description, code promo RDJ Gold et vous aurez votre bonus 50 € de free bet supplémentaire qui tombe dans votre poche. Donc, si mon combi vous intéresse, vous placez vos 150 € sur la cote à 1,85. Si ça passe, vous pourriez remporter 277 €. Et encore une fois, si vous êtes perdant, vous récupérez non pas 150 € de free bet, mais bien 200. Donc c'est quand même intéressant. Donc n'hésitez pas à me dire dans les commentaires ce que vous pensez de ces pronos, donnez-moi les vôtres. J'espère que cette vidéo vous a plu, si c'est le cas, un petit pouce bleu pour continuer à faire grossir la chaîne. En attendant, restez à l'écoute, les prochaines vidéos arrivent. La Ligue 1, les lives vendredi, foot NBA comme d'habitude, donc soyez au rendez-vous. En attendant, je vous souhaite une bonne soirée de Ligue des Champions ce soir. De bons paris, de bons matchs, de bons gains. D'ailleurs, la vidéo pour ce soir est en ligne. Allez jeter un œil. Et moi, je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo. Salut à tous !